25 choses stupides que les filles ne devraient pas faire au nom de l'amour, c'est le titre du nouvel ouvrage de Victoria Moukala, présenté aux lecteurs congolais le samedi 24 octobre lors d'une conférence de presse. Outil efficace pour les fiançailles épanouies, ce livre de 152 pages retrace les étapes essentielles pour une vie de fiançailles réussie. Conseils, témoignages, exhortations, telle est l'ossature de cet ouvrage. Si j'ai écrit sur l'amour, parce que vous savez, l'amour est un sujet très populaire aujourd'hui, dans la musique, dans les séries, dans les films, on ne parle que de l'amour. Mais lorsque le but d'une chose n'est pas compris, sa mauvaise gestion et son abus sont inévitables. Raison pour laquelle j'ai écrit sur l'amour afin de situer certaines filles sur comment se comporter dans les fiançailles, de ne pas se laisser être entraînées par l'amour pour faire des choses inadmissibles. Avec pour but de donner aux jeunes filles la clé d'une bonne relation, envie de devenir des femmes qui, loin de la stupidité, seront des instruments de Dieu en ces temps, ce livre fait déjà le bonheur des bénéficiaires. J'ai lu le préface, j'ai lu le résumé. Il est vraiment intéressant et je pense qu'il va beaucoup m'apporter. Et comme on l'a dit, c'est pour m'engager dans des fiançailles, pas naïvement, avec des valeurs pour ne pas échouer dans mes fiançailles. Et afin, comme toutes les femmes le veulent, arriver jusqu'à destination qui est le mariage. Plusieurs thèmes sont abordés par l'auteur, entre autres, tomber enceinte d'un homme pour qu'il soit obligé de vous épouser, sortir avec un homme marié, s'habiller sexy pour attirer un homme.